Het centraal station van morgen. Ontzettend rumoerig en de centrale hal kleurt volledig rood, groen en blauw. Met zo'n 10.000 zijn ze. Bezorgde mensen die hun stem willen laten horen in Brussel. Ze stappen op overvolle treinen richting Brussel-Noord. Daar begint de eerste van verschillende acties tegen de besparingsplannen van de nieuwe rechtse regering. Andere gezichten. Als mijn tijd wordt dat wij eens gaan optrekken naar Brussel. Hè? Omdat ze nu al voor de derde keer gaan proberen de wetmajor aan te passen. Hè? Die gaan waarschijnlijk weer voor de derde keer weer afgeketst. En ze moeten ermee gaan stoppen. In Brussel-Noord wordt het al snel duidelijk dat lang niet alleen de Antwerpenaren massaal komen betogen. Er zijn meer dan 100.000 betogers uit alle hoeken van het land. En ieder heeft zo zijn persoonlijke reden om te betogen tegen de geplande besparingen. Protesteren tegen de regeringsverklaring en al wat er dus van negatief in staat. Het is te zeggen, men heeft heel veel maatregelen voor de werkende mensen. Maar eigenlijk wordt er geen enkele verplichting opgelegd aan de werkgevers om bijvoorbeeld de mensen langer te kunnen laten werken. Want men zegt wel, ze moeten langer werken, maar elke werkgever zegt, maar niet bij mij. Ja, dus dat is één punt natuurlijk, maar er zijn nog heel veel andere zaken ook. Maar komt er verandering in? Ik denk het wel. Als je ziet wat een grote massa dat er vandaag aanwezig is, dan gaat men toch niet zomaar alles naast zich neerleggen. Ligt aan het station van Brussel-Zuid. Daar valt vooral de grote solidariteit op tussen de verschillende sectoren. Op de weg terug naar Antwerpen blikken de betogers dan ook tevreden terug op deze eerste actie. 24 november laten ze opnieuw hun stem horen, maar dan wel in Antwerpen. Je travaille chez Mipost. Je suis ici à Bruxelles pour manifester contre toutes les mesures du gouvernement actuel. Et là, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Voilà, on est venu manifester. Pour notre bien et montrer au gouvernement que tout ce qu'il fait ce n'est pas logique. Ils doivent gouverner pour le personnel et pas pour leur propre plaisir. Et nous accusons carrément le plan du gouvernement parce que nous savons que c'est le plan de gouvernement, c'est tout à fait le plan de NVA. Et là nous sommes contre ça et nous devons manifester pour ça. On n'est pas. Si dire qu'on est contre NVA, c'est trop dur. On est contre le mesure ou le méthode, le système de NVA. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait comme mesure pour le gouvernement actuel, là, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que cela nous met dans des situations de précarité. Et là, je pense que toute personne et tous les Belges qui sont ici ne sont pas d'accord avec ça. Même le Flamand, même moi, j'habite en Flandre. Je ne suis pas contre le NVA, je suis contre le système de NVA. C'est ça la différence. Il faut voir, il y a vraiment plein de monde. Hein, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a vraiment suffisamment de monde. C'est pour montrer au gouvernement que tout le monde est sensibilisé. Que ce soit le rouge, le vert, le bleu, tout le monde est sensibilisé. Et c'est pour lancer un message au gouvernement. Qu'ils arrêtent avec le système qu'ils veulent nous imposer. Voilà notre message. Voilà, l'Union fait la force et on est ensemble. Hein. Comme tu le vois, il y a le rouge, le vert, le bleu, on est tous ensemble. Et puis on est vraiment, vraiment nombreux. Vraiment nombreux, c'est un message que nous lançons au gouvernement. Ça devient vraiment une manifestation internationale. Vous ne verrez jamais ça nulle part au monde. Le gouvernement vient à peine de s'installer. Et quelques mois après, voilà, une grande manifestation comme celle-ci. Ça prouve que les gens ne sont pas d'accord. Ils manifestent leur mécontentement. Voilà. Le gouvernement doit vraiment, vraiment se poser une et mille questions. À propos de cette manifestation, il doit se remettre en cause. Et c'est ça le message qu'on veut lancer au gouvernement actuel. On est ici parce qu'on est des sans-papiers, ça fait des années qu'on est là, on travaille à noir et puis on est marre de travailler à noir. On nous exploite comme des esclaves, c'est ça qu'on est marre d'être des sans-papiers, voilà. Nous, on est la voix des sans-papiers, on est venu supporter la manifestation et pour faire entendre notre voix. On en a marre. On est victime d'une injustice sociale, du racisme, de l'exploitation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, on est venu vraiment pour la manifestation et pour aider aussi à faire entendre tous les sans-papiers leur voix. Merci. Solidarité avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. Ik ben Dave Dekens, ondervoorzitter ACV Lokeren. En wij komen hier
omdat wij willen rechtvaardig behandeld worden. Niet like de ministers, die haalt genoeg. Maar wij moeten hard werken, like ieder normale mens. En dan moeten ze er ook. En daarom staken wij. Wij willen niet afzien, omdat de ministers het voor het zeggen hebben. Wij werken, iedereen werkt. En dat hoort er zo, niet like de ministers. Dank u. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles pour voir en fait une grande manifestation que j'ai participé en plus. Donc une manifestation très 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 importante par rapport à notre pouvoir d'achat. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui veut seulement taxer les salariés, les personnes qui travaillent et non pas le patron. Donc si moi aujourd'hui j'étais milliardaire, ça veut dire que je ne pourrais même pas payer les impôts. Pourquoi ? Parce qu'on me donne tout ça gratuitement, un cadeau. Or qu'aujourd'hui, les salariés sont en train de souffrir. Le pouvoir d'achat baisse et personne ne veut faire quelque chose. On a un gouvernement de casino, un gouvernement de cow-boy et tout ça doit cesser, doit s'arrêter. La manifestation d'aujourd'hui, en fait, est un signal fort pour notre gouvernement. Nous ne sommes pas anti-gouvernemental. Nous voulons que le gouvernement puisse être là pour les personnes qui l'ont voté. On a voté un gouvernement pour aider la population, pour aider les gens. Et non pour se remplir de poches par rapport à des paradis fiscaux, par rapport à des personnes qui cachent leur argent au Luxembourg, comme aujourd'hui, on a su dans la presse. Alors, si le gouvernement veut vraiment faire quelque chose, un changement radical, mieux vaut le faire ensemble et non contre les salariés. Car nous sommes de milliers. Aujourd'hui, on a été plus de 120 000 personnes venir manifester ici à Bruxelles. Alors, c'est un signal fort pour notre gouvernement. Cette manifestation est une manifestation de travailleurs. Mais on ne dit pas seulement travailleurs, de salariés. On parle de personnes, des fonctionnaires de l'État. On parle de infirmières. On parle de travailleurs des entreprises privées. Et on parle aussi de jeunes entrepreneurs. De jeunes entrepreneurs, de petites mini-entreprises qui souffrent aujourd'hui à cause de capitaux qui fuient la Belgique, qui sortent de la Belgique. Or qu'on a besoin de cet argent-là pour investir en nous. Alors, c'est pour cela qu'on dit que notre gouvernement doit faire un effort, changer votre accord gouvernemental, modifier-le calmement et chercher une certaine balance pour qu'on puisse vraiment négocier et avoir une paix sociale correcte. Sinon, eh ben, vous aurez quelque chose le 15 décembre. We zijn hier vandaag met 120.000 mensen samen om iets tegen onze huidige regering te zeggen. We zijn het beu dat je ons komt uitpluimen. We zijn het beu dat je ons komt uitpluimen. Waarom? Om al het geld te geven aan de rijken. We willen niet rijk zijn. We willen gewoon eerlijk zijn. Eerlijkheid in de fiscaliteit. Eerlijkheid in de sociale zekerheid. De mensen zijn vandaag beu. Waarom? Omdat het gewoon beu zijn. Vandaag is een signaal aan onze regering. Vandaag was een sterke signaal aan onze regering. Wij willen dat onze regering onze gemoedstoestand komt bedaren. Wij willen dat zij ons luistert, naartoe luistert en zegt dat wij vandaag samen met alle Belgen van heel het land, van Wallonië, van Brussel, van Vlaanderen, iedereen is vandaag gekomen. Het zijn zelfs mensen die niet konden zijn, omdat de trein gewoon te vol zat. Onze regering is een casino-regering. Onze regering is een cowboy-regering. Al het geld gaat naar de rijken. En de mensen die het moeilijk hebben, krijgen het nog moeilijker. Waarom? Omdat mensen niet eerlijk willen zijn. We vragen aan de regering Michel om hun akkoorden te wijzigen ten voordele van de evenwicht, van een sociale evenwicht.